Yo les gens, c'est Drag Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Cyberpunk. Normalement la vidéo devait sortir hier, sauf que j'ai pas pu tourner. J'ai pas pu tourner parce que OBS m'a fait du gros caca. L'image de la Xbox ne voulait pas s'afficher. Donc il n'y a pas eu de vidéo. Donc je suis en train de la tourner. Là il est 13h10. Je la préparais vite fait tout ça machin, donc on va parler vite fait. Donc ce soir live sur donc Skyrim, pour ceux qui sont qui aiment bien Skyrim. Nous avons allé aussi sur The Crew, on va continuer un peu les courses ou pas, je vais voir. Et on ira aussi. Alors je sais pas si on va rester sur Skyrim ou quoi. Mais normalement, vu que The Crew, on avait déjà fait quand même les machins, et puis qu'on avait vu qu'on avait fait pas mal de petites courses mercredi ensemble, je pense que je vais rester sur le thème donc du The Crew, quoi. On va rester sur Skyrim, parce que sinon on aura quelques petits soucis. Donc, alors, on va parler vite fait ça commence déjà bien, apparemment. On va parler vite fait de... Alors, je vais pas faire l'émission pour le moment, tant que, que je suis en vidéo, parce que sinon, ça va mettre trop de temps et vous comprendrez pas pourquoi je fais cette vidéo. Alors, je fais cette vidéo avant tout, c'est pour les bugs de ce jeu. Clairement, les bugs de ce jeu qui sont clairement dégueulasses, qui sont vraiment dégueulasses. On peut clairement dire que ce système de jeu devrait pas exister, clairement, devrait pas exister, parce que clairement un jeu qui sort en 2020 et qui bug à tort larigot pour que dalle, clairement ça devrait pas exister. Il y a tellement de bugs que j'arrive même plus à en compter, clairement, entre les motos qui volent. Alors j'ai eu des motos qui volent sur moi, entre les rues où vous avez par exemple une zone comme ça qui est grande de route, et par exemple vous avez un gros bug, donc vous avez un trou et en fait la voiture ou même vous, ça s'arrête, en fait vous pouvez plus avancer. Donc clairement c'est alors tu cherches des fois si c'est pas toi ou quoi que ce soit, si c'est pas la console ou quoi, mais il y a tellement de bugs. Et puis mon frère m'avait dit qu'il y avait déjà eu pas mal de bugs, mais alors franchement, alors je ne dis pas que... Parce que bon, il y a quand même des points positifs quand même à ce jeu quand même. Je ne dis pas que voilà, il y a que des points négatifs. Mais sur ce jeu, autre que les points positifs qui sont, par exemple, les points positifs sont tout ce qui est missions secondaires, les missions secondaires qui sont assez longues, on va dire, qui ont un but principal. Les romances, on va dire, clairement, il y a pas mal de romances qui sont vraiment super et qui sont vraiment sympathiques. Mais il y a quand même pas mal de choses qui devraient, qui devraient être changées, parce que, et puis qu'il devrait y avoir pas mal de mises à jour, parce que clairement, on n'arrive pas à s'en sortir, quoi, parce qu'il y a des mises à, il y a des bugs. Moi, il y a des bugs qui me font que ça me fait planter ma console, quoi. C'est pas la question que le jeu est mal fait ou quoi que ce soit. Au contraire, il est super bien fait. Entre les missions secondaires où, au fil du temps, il y a quelque chose qui suit. Par exemple, vous avez toujours un truc à faire ou des trucs comme ça. Par exemple, je vois... même des missions secondaires, par exemple, les missions annexes, donc je parle bien des missions annexes, inspecter, indiquer les messages collectifs, machin, bon, il faut les lire, ça, voilà, vous avez des trucs comme ça, vous avez des trucs, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, vous avez des contacts,
Donc les contacts qui sont donc de localiser le cyber les cyber criminels. Donc clairement vous avez pas mal de petits trucs. Vous avez aussi des missions, des petits boulots de NCPD, donc des missions de flics qui sont probablement et qui sont vraiment sympas. Vous avez des missions véhicules. Alors là, les missions véhicules, j'en ai fait aucune. Et regardez, hein, très bas. Et le truc, c'est que les missions véhicules, comme je vous le dis, les missions véhicules, en fait, ce qui ne précise pas acheter le véhicule. D'accord, faut acheter le véhicule. Mais à partir que t'as, que vous, alors, moi, je pose la question pour ceux qui jouent au jeu. Dites-moi au moins si vous en avez acheté une. Au moins une. Parce que bon, je ne dis pas que voilà, qu'il y a des véhicules qui sont nuls. Mais par exemple, moi je suis quand même à la, je sais pas, je suis peut-être à la 15e, voire à la 20e, au 20e véhicule, et j'en ai fait aucune. J'en ai fait aucune, et les prix augmentent. Et regardez bien mon chiffre de voiture. Alors je sais pas si on peut l'acheter et après la revendre, ça je sais pas. Mais clairement, sur tout le terme, quand on se dit, voilà. Il y a ça et vous pouvez faire ça et que vous pouvez gagner donc la Porsche, alors donc la Porsche 911 de la Porsche Turbo 911 de Johnny pendant une mission, donc faut bien la faire la mission. Vous pouvez gagner la Apollo de Scorpion donc pendant les missions avec Paname. Vous gagnez aussi la moto de Jackie quand vous faites l'offrande à Jackie, donc sa mère vous donne la moto. Vous avez la voiture de Deloman, donc la numéro 21. Alors bon, j'ai la numéro 21, je ne sais pas s'il y a d'autres numéros, si vous avez d'autres numéros pour ceux qui ont joué. Vous avez votre véhicule principal et vous avez un véhicule tout-terrain. Donc dites-moi, entre véhicule normal, moto, véhicule assez rapide, on va dire, et véhicule tout-terrain. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, quand vous avez un minimum, et encore, je sais pas, parce que vous gagnez, je sais pas si on peut gagner d'autres véhicules entre-temps, pendant les missions secondaires, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça sert à rien. Ça sert à rien d'acheter des véhicules. Parce que le truc, c'est que vous avez déjà le minimum. Alors je sais pas si on peut les vendre, les autres. Alors je testerai, bien sûr. Avec la plus basse, bien sûr. Mais moi, je suis pas mécontent de mes véhicules. Clairement, je suis pas mécontent de mes véhicules. Merci Delmas. Alors, il y a aussi. Alors, on va parler des bugs de véhicules. Alors, moi, je joue normalement en vue comme ça, vue troisième personne de véhicule. Alors, des fois, il y a des bugs. Alors, quand vous buguez et que votre vue. Alors, bien sûr, ceux qui jouent en vue intérieure. Ne bouge pas ou quoi que ce soit, mais si par exemple vous voyez que votre cadran n'est pas allumé, c'est que ça a bugué. Donc si ce que moi, alors ben, par exemple moi ma touche, alors, je pense que c'est ma touche qui bug. Voilà, bah ben, voilà, changement de caméra, je suis dans la merde. Donc là, je suis obligé de quitter le véhicule pour re-rentrer. Donc là et normalement. Alors ça doit être ma touche qui doit bugger. Avance de se prendre des coups de poing sur la gueule. Dit comme ça, c'est peut-être pas bien dit quand même, hein? Allô? 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 Qu'est-ce que tu me fais? Bah non, ça peut pas être ma touche. Bah, je comprends plus rien là. Bon, c'est pas grave. Donc là, je suis en vue machin. Donc bon, pour ceux qui voilà, qui voient que ça bug ou quoi que ce soit, vous le saurez. Maintenant, faut juste sortir de votre véhicule. Et re-rentrer comme ça vous êtes tranquille. Entre les bugs moto qui volent, alors c'est souvent sur la voie rapide en fait, c'est surtout sur la voie rapide, vous voyez des motos qui volent un peu à droite à gauche. Les voitures qui sautent aussi, j'ai quelquefois les voitures qui font boum 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 dans les montées. Pourquoi, je sais pas. Mais vous avez ça, vous avez pas mal de petites choses comme ça qui sont un peu dérangeantes. Mais après, c'est pas très gros, c'est pas très grave. Ça encore les voitures qui sautent ou les bugs de bagnole qui, quand vous rentrez, vous êtes obligé de ressortir. Quand vous voyez que ça bug d'une voiture, c'est pas trop dérangeant.
Mais c'est vrai que ça peut être un peu chiant quand vous êtes en pleine mission et puis que ça bug en plein milieu. Donc c'est vrai que c'est un peu dérangeant, donc faudrait qu'ils règlent ça. Vous avez aussi... alors attendez, il faut aller où? C'est au milieu. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Après, au niveau du bien, on va dire, au niveau positif, ce sont tout ce qui est mission secondaire. Par exemple, mission secondaire qui s'affiche. Là, par exemple, on a croisé un truc qui s'était affiché, donc les criminels. Donc ça s'affiche clairement, ça se met tout de suite. Quand vous passez à côté d'un point ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc c'est vrai que ça, sur ça, c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable de se dire, voilà, vous êtes tranquille. Le point négatif d'autres de véhicules, c'est que même pour un véhicule comme ça, des Delman, clairement, même si c'est un taxi, je sais pas, ils auraient quand même pu les débloquer à, allez, 190, 180, clairement, parce que quand on roule à ça, oula, voilà. Alors ça, par exemple, on l'avait pas vu arriver. Accident pendant la vidéo. Donc c'est un peu dérangeant. Donc voilà, il pourrait faire un peu mieux. Bah. C'est par où? J'ai pas vu la sortie. Ils m'ont demandé de faire demi-tour en fait. D'accord, ok. Zone hostile. Pourquoi zone hostile? Ok, d'accord. Donc voilà, moi pour un... Alors après, le jeu en tant que même, il est super bien. Graphiquement, il est bien. Il pourrait être un peu mieux quand même. Mais il est bien. Après, les missions, ils sont superbes. Elles sont vraiment sympas. Elles sont vraiment bien faites. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est qu'ils l'ont fait à la Zelda. Alors, je sais pas vous, mais moi, ouais, ça me dérange. Le mode Zelda, voilà, où vous avez une mission en continu. Alors, c'est vrai que s'il y a plusieurs fins, c'est vrai que c'est bien. Mais, voilà, ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu faire mieux, clairement, pour un jeu de 2020, un jeu en... Un truc comme ça qui est en rapport, qui fait un peu illusion, un peu à la Zelda ou quoi que ce soit. C'est un peu dérangeant de trouver qui c'est ce que vous pourrez trouver. Bon, pendant qu'on est en vidéo. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'aurais dit ce que j'ai à dire. Les gros bugs, donc ce qui est vraiment gros bug en fait, c'est tout ce qui est route, les motos qui volent, on sait pas pourquoi, il y a personne dessus mais elles volent quand même. Les PNJ, bon, ils ont pas un grain de sens. C'est pas un peu comme GTA, vous voyez GTA, les PNJ réagissent quand même un peu pas pareil quoi. Mais le truc c'est qu'on a le temps. On a le temps de faire des choses quoi avec GTA, que là clairement c'est difficile quoi, c'est difficile de dire bah voilà tiens faut faire ci, faut faire ça. Et le truc c'est que là c'est vrai que c'est, on va pas dire que c'est des bugs de jeu, mais c'est le truc c'est que les PNJ quand on les regarde ou en voiture, regardez, alors je vais mettre, voilà. Pourquoi lui s'est arrêté, on sait pas. Bon, là, peut-être pas, parce que là, c'est une... What? Hein? Bah. Par exemple, les PNJ... En GTA, ils vous esquivent. D'accord? Voilà, ils sont capables de vous rentrer dedans, quoi. Ils sont capables de vous rentrer dedans, et puis vous allez reculer, ils vont avancer. Alors, peut-être pas lui... Il a l'air d'avoir un minimum de jugeote. Mais par exemple, il va pas esquiver. Il va pas doubler, quoi. Donc c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire un minimum. Alors peut-être parce que vu, c'est peut-être une ligne blanche ou une ligne en continu. Mais
Voilà, le truc c'est que ils ont pas de jugeote en fait. Ils ont pas de jugeote, ils klaxonnent pour un oui, pour un non. Ils auraient pu faire mieux quand même. Clairement, quand vous vous mettez devant un... Moi par exemple, quand vous êtes en pleine mission ou quoi que ce soit, et puis par exemple, bah, vous pouvez pas vous garer autre part que sur la route. Voilà, vous laissez votre véhicule en plein milieu. Alors punaise, des fois, quand tu pars 2-3 petites minutes ou quoi que ce soit. Excusez-moi, mais il y a un gros bouchon derrière, quoi. Clairement, vous aurez pu doubler, quoi. Donc, ouais, c'est pareil. Ils devraient quand même mettre l'intelligence au bot de pouvoir doubler. Parce que... Zone hostile. Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah d'accord! Putain, puis il y a des trailleuses. Voilà. Il y a des trailleuses, c'est pas bon ça. Ouais. C'est quoi ce PNJ là? Qu'est-ce qu'il fout? Ah oui. Eh, c'est pas possible, c'est quoi ce PNJ? Il y a la trailleuse qui m'allume. Au moins, vous aurez eu un peu d'action pour la vidéo. Putain, c'est bon. Ok, je vais me connecter à Internet. Alors, je me connecte à Internet, les gars. Attention, hein. Je vais prendre le 55. Comme ça, je pourrais faire aussi la... le C1. C1, C1, C7. 55. Comme ça, ça me fait 2. Et comme ça, je suis connecté à Internet. Compose un pirateur rapide, courant, ok. Par contre, j'ai presque plus de balles. Bon, ça, c'est un peu emmerdant. On va prendre le flingue de... C'est quoi qui me vise là depuis tout à l'heure? Oh, c'est la femme. Tu vas crever, wesh. C'est quoi ce bot là? Le bot de merde là. Oh, Didier. Apparemment, je suis un peu loin de lui. On va se rapprocher, on va le mettre. Voilà, une cartouche dans la tronche. Ah, c'est ça. Ouf, la poubelle, couillon. Alors, c'est quoi qui nous dit ça? Par contre, les steam packs comme ça, c'est vraiment nul à chier. Je me suis fait avoir. Je pensais que je pouvais l'enlever parce que normalement on peut l'enlever. Mais là. Voilà, ça, on l'a calmé. Et là-bas, elle est calmée. Bah, allez. Il ne devrait pas être calmé, ce poste de merde. Arrive à me sniper, c'est fini. On fait parler sans. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas, c'est bien, bouge pas. Trouve.
Trouver Big Peter. Ok. C'est qui celui-là, Big Peter? Alors comme vous le voyez, j'ai aussi amélioré mes membres. Alors je suis pas à un niveau où voilà qui fait que, mais c'est vrai que. Hop là. Je suis devenu intelligent à la caméra maintenant. Je sais où t'es. Coucou. Ah bah non. Oh, eh, oh. Ah bah les gros mots. En vidéo en plus. Sale fils de mt. Ah bah alors. T'es où? Rouge en plein milieu là. Putain de malade, il a tout tué. J'allais pas les laisser en vie aussi. Genre, t'arrives, machin, l'autre. Ah, mais il doit être en bas. Ouh, petit. Bonne nuit. Ah, j'aurais pu le neutraliser. Bah. Vous aurez pu le neutraliser, zut alors. Mince, il est mort. Oh, les billets. Alors, on pirate. Normalement... Ah si, je suis obligé. 7... 7... Je peux toujours... c'est un hop là, ça nous en fait deux. Par contre ça c'est chiant parce que vous là une chaise, voilà, c'est chiant parce que le truc c'est qu'on peut pas interagir avec, voilà, y a... t'es même pas collé à la chaise, guignol. Oh, c'est pas possible ça. Hop, on désactive ça. Comme ça, on est tranquille. Bon, j'aurais pu le neutraliser correctement, quoi, mais bon. Alors, j'aime bien faire tout ce qui est trucs comme ça, parce qu'au moins, vous pouvez, par exemple, gagner des trucs, vous gagnez des trucs comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, par contre, c'est plutôt pas mal. Ça, au niveau de ça, c'est vraiment sympa. Alors là, je vais faire le C. Il n'y a pas de C. Alors j'aime bien, il demande un C, mais le truc c'est qu'il n'y a pas le C. Et là, j'ai fait de la merde. C7 50 50. Et bah voilà, j'ai fait de la merde. Bah j'en ai eu qu'un, c'est pas grave. Ah, j'ai gagné de l'argent, j'aurais pu faire le plus gros, j'aurais gagné un peu plus. C'est pas grave. Bon. Bon bah les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc moi, surtout sur ce jeu, c'est pas la question que les bugs, machin. Au contraire, j'aime bien y jouer, au contraire. Parce que clairement, ce jeu est plutôt attractif. Et puis bon, il y a quand même une durée de vie, quoi. Mais c'est vrai que il manque pas mal de choses. Un dur à cuire, mais un guerrier sans pitié. Je considère que le contrat est rempli. Beau boulot. Voilà, je gagne un peu d'argent. Bon, voilà. Alors, voilà. Et puis, il y a aussi ça. Alors là, ça, par exemple. Là, j'ai gagné mon machin. J'ai gagné, et puis voilà.
J'ai récupéré une arme et par exemple, normalement, le truc de l'arme devrait s'enlever et ça bug. Alors bon, ça, c'est pas trop dérangeant parce que vous pouvez sauvegarder, quitter et revenir. Mais le truc, c'est que c'est chiant, quoi. Sauvegarder, quitter, revenir à chaque fois. Faut que vous repreniez une mission. Alors bon, faut prendre une mission assez grosse. Et encore, normalement, ça bug aussi. Donc c'est un peu dérangeant.